Bonjour. Avant les démolitions des 16e et 17e siècles, les Hautes-Alpes étaient marquées par de très nombreuses tours et de sites castraux en raison de l'omniprésence de la féodalité et de la seigneurie rurale. D'où vient cette féodalité Au 9e et 10e siècle, une insécurité générale euh, marque le, la région en raison de la fin de l'Empire carolingien, des violences entre aristocrates armés et des risques dus aux invasions. À la fin du 10e siècle, les rois d'Arles, puis les marquis de Provence, sont incapables de se faire obéir de leurs anciens soldats qu'ils ont souvent nommés comtes, euh, ou auxquels ils ont donné des terres. Les petits lignages aristocratiques accaparent les pouvoirs des, du roi, localement, notamment le droit de commander et de punir, tout en restant théoriquement les sujets du roi. Ces gens-là créent leur propre groupe d'hommes d'armes à leur service, ce qui crée une situation d'anarchie politique. Autour de ces hommes se regroupent quelques soldats, qui gèrent des modes castrales. Les petits seigneurs deviennent donc des châtelains qui imposent leurs droits féodaux dans de petits territoires et menacent les libertés des paysans libres. Dans la région, les sites fortifiés apparus avant le Xe siècle sont très peu nombreux, en général situés sur des voies de passage. Ils ont un rôle stratégique et restent sous le contrôle de l'autorité publique et des rois. Mais au XIe siècle, on a un vaste mouvement de privatisation de ces fortins. Le nombre de, des modes féodales est multiplié par 10. Euh, et leur plan est d'ailleurs assez simple. Ce sont des tours carrées, des donjons circulaires comme à la bâtie vieille, quelques châteaux avec de véritables dépendances, peu de villages fortifiés dans la région. Les féodaux imposent dans les Hautes-Alpes leur banalité, c'est-à-dire une multitude de droits seigneuriaux, des, des, des corvées de four, moulins, de foires, les tonlieux, les albergues, le droit de gîte. Euh, la documentation fournit le nom d'un très grand nombre de familles seigneuriales dans la région. Chaque famille est liée à un village qu'elle contrôle sur le plan féodal. Les misons, par exemple, possèdent le site de Misons dès le XIe siècle, mais s'allient au XIIe siècle aux Mévouillons en raison de la proximité de leur domaine. La plupart de ces seigneurs ont des droits sur plusieurs sites à la fois. Ainsi, très peu de familles ont l'autorité complète sur un seul village. Tous les bourgs importants sont partagés entre une multitude de co-seigneuries. Les misons ont ainsi des droits féodaux à Chorges, à Turier, à Gigor et quelques droits à Saint-Genis-de-Romont. Les Artauds sont co-seigneurs de Savine, de Pélotier, de Chabot et de Vaine. Dans un village, telle famille pouvait n'avoir que le droit d'albergue, c'est-à-dire d'accueil du Seigneur, et dans le village voisin, seulement quelques tonlieux ou quelques terres. Savine, au XIIIe siècle, avait trois co-seigneurs et Vaine plus d'une vingtaine. Ces petits seigneurs ont souvent des liens étroits avec le clergé et l'épiscopat, puisque leurs enfants obtiennent des postes dans l'église locale. Les Abrivas, co-seigneurs de Savine et d'Apollinaire, donne de nombreux chanoines à Embrun, des notaires, des prieurs. Mais le seigneur le plus puissant dans chaque diocèse reste l'évêque, car lui aussi possède une multitude de droits féodaux, de tours, de châteaux et de villages. La densité castrale est impressionnante entre les XIIe et XIVe siècles entre Gap et Embrun. Les évêques contrôlent plusieurs châteaux proprement dits autour de Gap et à l'ouest d'Embrun pour commander et protéger la campagne et les axes. Il faut y ajouter toutefois un semi de tours et de petites enceintes très modestes. Cette implantation permet de protéger la limite entre les deux diocèses, mais aussi la frontière avec le comté de Provence, dont les princes ont l'ambition de s'implanter dans la région. La seigneurie aux Alpines semble beaucoup moins oppressive qu'ailleurs. Les co-seigneurs fragmentent l'autorité euh, féodale. Les paysans jouent sur les oppositions entre leurs différents seigneurs et sur l'imbrication des droits féodaux pour tenter d'échapper au pouvoir aristocratique. Les corvées étaient ici beaucoup moins lourdes que dans le nord de la France. La plupart fut même converties en monnaie, payable à échéance fixe. Dans chaque bourg, de nombreux paysans libres, des aletiers, échappaient à toute autorité seigneuriale. Au XIIIe siècle, la plupart des familles seigneuriales sont d'ailleurs obligées de se rallier à l'évêque, aux dauphins ou aux comtes de Provence et ne peuvent plus rester autonomes. Enfin, l'essor économique du XIIIe siècle enrichit les pôles urbains comme Embrun, favorise le commerce dans la vallée de la Durance. Et ainsi, des personnalités issues du négoce, de l'artisanat, prétendent entrer dans les élites citadines à la place des nobles. Dans les villages, le contrôle seigneurial est ébranlé par l'enrichissement et par l'attrait de la ville qui incite des paysans, même des serfs, à partir. Au XIIIe siècle, Mison échappe à sa famille seigneuriale. En 1215, la veuve du seigneur de Talard et son neveu doivent vendre euh, leur seigneurie de Talard aux hospitaliers. Le dauphin profite. De la crise financière qui touche les seigneurs pour racheter leurs droits féodaux, ainsi dans le Kéra, à Jarjaï, à Vennes, à Sigotier. Dès lors, la petite seigneurie rurale doit céder devant des maîtres plus puissants qu'elle au-delà du XIIIe siècle. A bientôt.